La spiritualité Sawa considère l'homme dans deux dimensions, la dimension physique et la dimension métaphysique. Sur le plan physique, il y a ce qui permet à l'homme d'arriver généalogiquement à Nyambé, Dieu. Sur le plan métaphysique ou mystique, par contre, Nyambé a envoyé sur Terre des créatures invisibles qu'il l'a doté de certaines forces et le pouvoir susceptibles de leur permettre de jouer les intercesseurs entre l'homme et lui. Certains parleront alors de divinités commandées par Dieu, Nyambé-Weke. Il s'agit des ancêtres. Seuls ceux qui se sont illustrés de manière positive dans l'épanouissement, l'équilibre et l'harmonie de la communauté pouvaient, après leur mort, être élevés à ce statut. Et Sa Majesté Ekoumé Bouemba Hugo, chef de Bonadjindje, était de ceux-là. Il était le chef du village de Bonadjindje, qui est un village spécial à Daido. Parce que notre ancêtre éponyme Ebélé avait plusieurs femmes, mais sa première épouse s'appelait Djindje, d'où le nom de Bonadjindje. Donc c'est le premier village de Daido. Et les premiers enfants de Ebélé étaient Makaké et Eboulé. Eboulé est l'ancêtre de Ekoumé. Donc Ekoumé est un chef spécial, c'est-à-dire c'est un chef qui est de la branche première de Daido. Cette conscience qu'il avait d'être le véritable chef. Et chaque fois qu'il s'agissait de Daido, il était concerné. Il était concerné jusqu'au plus profond de lui-même. Il avait une conscience tellement aiguë de Daido qu'il s'identifiait à Daido. C'est un homme d'honneur, c'est un homme de parole. Le Baoba est donc tombé à Bonadjindje. Ekoumé Bouemba Hugo n'est plus ici. Il a traversé le fleuve. Et depuis ce départ, les femmes se sont mobilisées et pour cause. Comme dans toutes les chefferies, la femme a une place prépondérante. Et mon frère le savait. Quelles que soient les cérémonies, c'est la femme qui était toujours devant. Bon, nous, on nous met derrière, mais c'est la femme qui est. Vous savez, on dit toujours que derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Et au niveau de la chefferie traditionnelle, c'est la femme qui est détenteur de puissance. Et ce sont les femmes qui dirigent la chefferie, même comme elles sont toujours à l'arrière-plan. Tout le village s'est levé sous la bannière et les armoiries de la communauté Bonadjindje. C'est l'hymne de la communauté Bonadjindje et chaque fois qu'on veut se sentir un, chaque fois qu'on a besoin d'unité, on la chante. C'est l'hymne vraiment qui caractérise le peuple, je dirais le village de Bonadjindje. Chez les Sawa de Vouri, quand la situation devient grave, quand la situation devient difficile, on a un cri de ralliement. Ce cri, je vais le dire en douala, on dit Ekwamato. Ekwamato. Ekwa, ça veut dire quoi? Ekwa, c'est la besace. La besace que porte la femme. Et Mwato, c'est la femme. Donc on fait appel à la besace de la femme. Pourquoi à la besace de la femme? Parce que dans cette besace, il y a les richesses du village. Dans cette besace, il y a la tradition. Dans cette besace, il y a la culture. Et parce que dans la femme même, il y a la vie. C'est la femme qui donne la vie. Et il y a donc tout ce qui concerne les rites, la tradition, la force, le pouvoir. Et les fondements même du village sont dans cette besace-là. Donc on fait appel à elle. Ça veut dire que, en fait, c'est la femme qui porte la culture. C'est la femme qui porte la tradition. Chez les Bantous en général,
et en particulier chez les Sawa, le chef ne meurt pas, il part en voyage, sans prévenir. Et il est de bon ton que ses épouses, ses enfants, aillent à sa recherche. Cela se fait à l'aube. Depuis ce matin, nous sommes à la recherche du chef. Il est de coutume chez les Sawa Douala de rechercher un chef quand il décède. Ça veut dire que nous passons dans toutes les chefferies existantes où nous allons voir chaque chef unique pour qu'il nous dise si le chef disparu cette fois-ci, Ekoumé Bouimba Ugo, s'ils l'ont vu. Donc on arrive chez un chef tôt le matin, on commence la tournée à 2h du matin, 2h, 3h, et on réveille les chefs en leur demandant s'ils ont vu le défunt ou pas. Alors le chef, il nous répond, je ne l'ai pas vu où il était là, il est passé, mais je vous demande de continuer à le chercher parce que j'ai besoin de lui. Donc la semaine passée, on a fait le tour de plusieurs chefferies, Bonassama, Bonaberry, Bonanjo, Bonadouma, entre autres le chef Bakoko et Akwa, sans oublier le chef suprême René Douala. Donc aujourd'hui, nous passons dans toutes les chefferies d'Aïdo. Donc on a commencé à Bonateki, chez le chef Ekabouma, nous sommes partis à Bonamoudoudou et à la chefferie supérieure de Daido, chez le King et Sakai Kualanya Daido. Et à cette recherche, la recherche se termine sur la rive où nous sommes allés au Bourri, donc retrouver le cercueil du chef. Là, on retrouve le chef et on le ramène chez lui pour qu'il passe donc la nuit d'aujourd'hui dans sa maison mortuaire qu'on appelle chez nous le Dibala. C'est au bord du fleuve Vouri que l'on retrouvera le corps du chef bien-aimé. Joie et lamentation se mêleront alors sur ce rivage du fleuve Vouri. Il faudra le rapporter alors au cœur du village pour l'absoute du mort, Sola Lambimba. Ce rite funéraire très ancien entend servir de viatique à l'âme du défunt au moment où ce dernier s'apprête à aller au pays des morts, les Bédimo. Rite d'accompagnement par conséquent, mais avec pour préalable l'allègement des fautes passées et pour essentiel la remise de son être spirituel entre les mains ancestrales qui le conduiront dans le Mundima Bedimo, sa nouvelle patrie, et feront de lui un nouvel ancêtre. Nous avons osé poser la question. Qu'est-ce qu'il y a dans le cercueil? Un cercueil contient toujours quelque chose ou quelqu'un. Tout le monde sait qu'il a été enterré le jour même de son arrivée d'Europe, où il a décédé. Mais un chef ne meurt pas. Donc, on est allé chercher ses mannes dans le fleuve. La pirogue qu'il a amenée a permis qu'on descende le cercueil et qu'on le ramène à domicile.
toute cette procession de femmes en noir que vous avez eu à observer avait pour signification la recherche de l'âme chefale, de l'âme du chef. Nous allons de grand matin à la recherche du chef, à la recherche de notre chef. Songobi, Nyamudimu, c'est-à-dire chercher le cordon ombilical du défunt, chercher pour plus d'exactitude l'endroit précis où son cordon ombilical a été inhumé au jour de sa naissance. Et c'est là que, au jour de sa mort, on enterrera sa dépouille mortelle. Et la boucle est bouclée. Le commencement et la fin, la naissance et la mort. Mais en Douala, c'est encore plus poétique parce que c'est un seul mot qui décante ce cycle-là. Songo, qui vient de Sobele Ngobi, c'est-à-dire inhumer le cordon ombilical, et à la fin, Songobi, c'est-à-dire découvrir le cordon ombilical. Le chef, le rappelle-t-on assez souvent, est le garant de la tradition. Il maîtrise les secrets de la nature et sait interférer avec les totems. L'avènement de la chrétienté aurait-il gommé ce rôle social du chef, partagé qu'il est entre sa cosmogonie et la nouvelle religion occidentale? Qui saurait nous dire, entre tradition et christianisme, où va le chef à sa mort? Je ne sais pas s'il y a une dichotomie entre la tradition et la chrétienté ou bien l'Église. Parce que moi, je pense que quand nos ancêtres priaient, quand ils criaient, ils disaient « Alobanjom ». Ça veut dire qu'ils connaissaient le Tout-Puissant. « Alobanjom », quand ils se plaignaient. Et quand on se salue chez nous, on dit « Ndje Tousse Nyambe ». C'est-à-dire que avant d'être chef, on connaît Dieu. Et moi, je pense que chez nous, l'expression même de la déité est dans la chefferie. Parce que chez nous, le chef est un peu le représentant de Dieu. Donc, quand le chef s'en va, il ne décède pas, il s'en va. Il s'en va dans l'au-delà, il s'en va vers les ancêtres, il s'en va vers Dieu. Donc, il n'y a pas de Dieu des chefs et de Dieu des chrétiens ou des musulmans. Il y a un seul Dieu et tout le monde va vers ce Dieu. Ekoumé Bouemba Hugo était à la tête du village fondateur de Deido, Deido qui compte 6 communautés villageoises. Bona Djindje, Bona Mtone, Bona Mudourou, Bona Tene, Bona Mouti et Bona Teki. À l'occasion, tous les garants de la tradition joueront leur partition. J'ai eu le malheur en l'espace de 30 jours de perdre 2 de mes chefs de village. Bon, le premier s'est cru autorisé à dire qu'on a demandé qu'on ne l'enterre pas en tant que chef alors qu'il a été chef une 20aine d'années. Bon, ça veut dire qu'il a fait ses obsèques comme il voulait. Le chef Ekoumé était surtout réputé par sa recherche et par son suivi de la tradition. Donc, les obsèques d'Ekoumé, nous allons l'enterrer exactement comme les ancêtres le faisaient. La mort d'un chef, chez nous, on ne dit pas que le chef meurt, le chef ne meurt pas. Si le chef mourait, ça veut dire que tout le monde, son village partait. Le chef ne meurt pas, le chef est éternel. C'est pour cela qu'à la mort du chef, les cérémonies peuvent durer 3 jours, 7 jours, autant de temps qu'il faut pour que le nouveau chef prenne sa place. Les chefs ne participent pas à la partie familiale des obsèques. Ils
participe à la partie, disons, ouverte, officielle, solennelle. Il faut déjà penser à la succession, au sort de la veuve, à la neuvaine Dibois, le chiffre 9. Le Dibois désigne la période cruciale et sacrée de séparation d'avec le défunt qui, avant le 9e jour du décès, est réputé errer dans les parages et pouvoir même se rendre visible dans certains cas à certaines personnes. Le rite de la neuvaine consacre donc son départ définitif au Mundima Bedimo, le pays des morts, le pays des ancêtres, après une ultime rencontre d'adieu avec le conjoint survivant, soit dans le fleuve, soit au cimetière, avant le lever du soleil. La veuve est naturellement soumise au rituel habituel des veuves, c'est-à-dire dans le fleuve, aux aurores, le dernier contact avec le défunt. On nourrit les ondins par la même occasion et les aïeux et toutes les ngones, toutes les filles de la famille qui sont descendues avec elles sur le fleuve. Ce rite s'accompagne de la ceinture de chasteté qu'on lui attache et qui reste à ses reins jusqu'à ce qu'elle trouve un candidat assez téméraire et assez décidé pour l'épouser. Lui seul aura le droit de couper ce cordon-là, bon, comme symbole de l'ouverture des portes. Oui. Et 9 jours après? Ça, c'est le rituel du 9e jour, oui. C'est le rituel. Mais comme le chef, lui, a été enterré depuis un certain temps, je suppose que ce rite-là a été opéré 9 jours après cette inhumation. Le baobab est tombé un 6 mars à Paris et de longs obsèques ont suivi. Le dernier jour donnait la mesure de ce qu'aura été l'homme. La procession des chefs supérieurs de toutes origines donna le la de la cérémonie. Le doyen d'âge de la notabilité Bona Jinje, Chief Ngime Ekolo, très proche ami, le PDG de Pecten, Sa Majesté Dissake Mwange, secrétaire général de l'association des chefs Sawa, Samebel, le secrétaire général du bureau du Ngondo. Et puis retentit le chant de guerre, un chant oublié dans les tréfonds de l'histoire Sawa, scandé par le chef supérieur d'Edo. La guerre aux divisions, aux luttes intestines, le combat contre la misère ambiante et à l'envahissement, la guerre contre le rétrécissement de l'espace vital Sawa. Sa Majesté Ekoume Bouemba Hugo, Dira Esakai Kwala Esakai Deido, était un homme de vérité, de franchise. Un chef qui a assumé avec courage ses responsabilités.
Le sous-préfet de Douala Premier a transmis les condoléances du ministre d'État de l'administration territoriale et de la décentralisation. Jean-Marc Ekouambaga a prévenu tous les éventuels candidats à la succession. Seules les règles coutumières seront respectées. Les derniers jours, les temps seront difficiles. Les gens de mauvaise foi, prévient la parole sainte. Le corps pastoral rassemblé pour l'office religieux rappellera que l'apôtre Paul nous interpelle de penser à la mort. Il faut se conduire comme des sages. On en a appelé à un changement radical de nos comportements. Dans les usages et coutumes, il demeure toutefois une variante, celle des rituels utilisés lors des obsèques d'un chef traditionnel. Il y a d'abord, disons, l'ESA, auquel nous avons assisté hier soir, mais qui, aux aurores, est précédé de l'arrivée de la pirogue porteuse de la dépouille. Dépouille absente, puisque le chef ne meurt pas. Et ensuite, donc, dans le sanctuaire, l'absoute des morts. Un rite que les catholiques connaissent bien, mais qui trouve son équivalent parfait dans notre culture. C'est un rite d'accompagnement du défunt vers les ancêtres qui seraient chargés, donc, par la même absoute, d'aller le présenter à Niambé, le Créateur. Plusieurs pratiques mystico-magiques ont disparu avec le temps. Aujourd'hui, il demeure au-dessus de tout et en toute occasion ce qui est connu sous l'appellation de Essa et qui est, selon une explication du dictionnaire Douala français, une assemblée pendant laquelle on cherche, par une investigation publique, à trouver la cause d'un malheur pour essayer de l'écarter. L'ESA est donc une prière d'exorcisme, une prière commune d'intercession pour conjuguer le mauvais sort. Ici, la disparition du chef. Et l'on dira Nya Sam Ekuma Bwemba Hugo, Londola Bwam. Majesté, bon voyage.